Après la sortie du Covid, il a fallu ramener les jeunes à la performance de la santé et on a pensé tout de suite à réaliser déjà cette première édition pour les Tao et les combats. La partie qui m'anime le plus, généralement, c'est surtout sur les combats. Alors, en ce qui concerne les combats, nous avons toutes les catégories pour évaluer justement la performance de nos élèves qui, chacun d'entre eux, au sorti du Covid, beaucoup avaient abandonné le sport, ceux qui avaient ce magnifique talent qu'on pouvait explorer, exploiter, on s'est dit qu'il était temps de remettre les gars en jambes. L'AMDAG reste une association omnisport. Donc c'est une association qui regorge plusieurs disciplines. Et vu tout ce que cette grande association pose comme acte, hein, ça ne peut que motiver des différentes disciplines, quelque part, qui se sentent égarées, hein, de venir tout de suite s'affilier parce que l'AMDAG va jusqu'à l'international. Donc lorsque l'AMDAG vous accepte, hein, lorsque vous êtes affilié dans l'AMDAG, vous attendez à des résultats positifs. Donc les trois clubs ont pu prendre qui ont pu participer à la première édition. Je ne peux que dire bravo, c'est gagné.